Ne vous trompez pas, ça va vite, hein, c'est clair. Oui, oui, et puis c'est vrai que nous, évidemment, on s'enthousiasme, on s'emballe, on est parti pour un long sprint de 24 heures. À l'intérieur des cockpits, on doit certainement se dire un petit peu la même chose, avec peut-être, en tous les cas, un tout petit peu plus de sagesse, une sagesse assez habituelle du côté de chez Audi. Maintenant, c'est peut-être un tout petit, léger déficit de performance par rapport aussi à la française. Oui, peut-être. Il faut savoir qu'on avait noté que les Peugeot étaient plus rapides, plus véloces en vitesse de pointe. Ça a été démontré dès les premiers virages. Visiblement, du côté chez Audi, on a une voiture un peu plus facile à conduire, une voiture un petit peu plus chargée, donc qui est plus confortable aérodynamiquement, on va dire, dans toutes les grandes courbes, mais on pêche un petit peu en vitesse de pointe. Ça a l'air d'être le premier fait intéressant de cette course. Et voilà les voitures, les bolides qui passent sous nos yeux à l'issue de ce premier tour. Franck Montagny a bouclé ce tour en 3 minutes 29 secondes 590 millième devant son coéquipier Pedro Lamy. Alan McNish est troisième pour le moment, quatrième place pour l'autre Peugeot d'Alexander Wurtz, Bouillon cinquième, pardon, Mike Rockenfeller sixième, Stéphane Muck au volant de la première Aston Martin est 7e et Alexandre Prema 8e au volant de la 3e Audi. Voilà dans la catégorie LMP1 pour ce tout premier tour. L'année dernière, c'était, si mes souvenirs sont bons, c'était un petit peu comme ça. Hein. Les Peugeot étaient partis tambour battant et on avait l'impression que les Audi avaient du mal à suivre. C'est un petit peu comme ça. Et la bonne surprise, c'est de voir deux Aston Martin en fait encadrer la troisième Audi. Avec une attaque une nouvelle fois d'une Peugeot sur une Audi, ça ne passe pas à cet endroit-là. Max Alexander Wurtz a été a vu le museau de l'Audi se refermer devant lui, pas de risque en ce moment. Non, on peut pas, deuxième tour, c'est impossible. Il voit bien de toute façon que le rythme adopté par McNish, il n'est pas celui des deux Peugeot de tête, donc il sait que sa voiture doit lui permettre de dépasser le pilote écossais. Et puis on le rappelle, hein, cette Peugeot, regardez, elle est vraiment... Net, je vous coupe Jacques, parce que c'est vraiment net, significatif, on n'est pas encore dans le freinage, et McNish qui s'était pourtant mis sur la trajectoire fermée, n'a rien pu faire contre... Alexander Wurtz. Oui, il y a clairement quelques kilomètres heure de plus pour la Peugeot dans ces longs morceaux de ligne droite. Mais c'est vrai que cette Peugeot, elle est complètement typée Le Mans. Hein. C'est une voiture faite pour aller vite en ligne droite de toute façon. Vous parliez tout à l'heure de la qualité du châssis de l'Audi. Effectivement Jacques, c'est surtout qu'on a des données emmagasinées sur la Peugeot. C'est une voiture qui court ici pour la troisième année, donc on sait exactement le potentiel de cette voiture. Elle a été un petit peu modifiée à cause bien entendu de la réglementation. On a des brides d'air plus petites, on a des pressions d'admission plus faibles, on a des ailerons moins importants, mais on a tellement travaillé de l'autre côté qu'on a récupéré tout ce que la réglementation leur avait fait perdre. Du côté de chez Audi, on a été obligé, parce que l'année dernière sur le terrain on ne pouvait pas jouer à jeu égal avec les Peugeot, on était beaucoup moins rapide, on avait gagné grâce à une stratégie de course excellente par l'expérience. Cette année on a pris plus de risques, on s'est dit il faut gagner de la vitesse, visiblement il en manque encore, tout du moins au niveau de la vitesse de pointe. Jacques, c'est qui va être intéressant également désormais de voir, c'est si la Peugeot confiée à l'équipe d'Henri Pescarolo va être capable elle aussi de se montrer plus véloce, plus rapide, de prendre l'ascendant sur l'Audi d'Alan McNish et d'essayer de tenter de suivre le rythme des trois Peugeot officiels. Jacques, vous l'avez vu aux essais, Jean-Christophe Bouillon a roulé très vite, ça veut dire que chez Peugeot on leur a donné certes une voiture de l'année dernière, mais une voiture qui est vraiment très rapide comme les autres. Je pense qu'elle n'a rien à envier aux trois autres voitures gérées par Peugeot. C'est une voiture qui va aller vite et qui a le potentiel pour pouvoir terminer et gagner l'épreuve. De l'autre côté, on parlait des Audi, oui. Ben, ce qui a aussi... que l'on revoit la manœuvre du départ. Oui, hein. Oui. Ce qui a aussi changé, ce qui a aussi changé chez Audi, c'est que Peugeot les a obligés à faire un nouveau châssis. C'est une nouvelle voiture, entre guillemets, entièrement nouvelle celle-ci. Donc, à contrario, on peut aussi dire qu'avec une nouvelle voiture, on a peut-être aussi un certain nombre de petits soucis possibles en plus, ce qui peut équilibrer, parce que la voiture est quand même très neuve, elle n'a roulé qu'à Sebring avant. Et où elle s'y est imposée, on le rappelle, devant les Peugeot d'ailleurs pour la toute première sortie. Oui, mais de 20 secondes, hein, 20 secondes sur 12 heures, vous imaginez. Écart effectivement très réduit. C'est parti en tous les cas, un train d'enfer pour les Peugeot essentiellement, avec les 3 908 officiels désormais aux 3 premières places, sous le regard de Romain Dumas, bien sûr. Franck Montagny, Pedro Lamy et Alexander Wurtz,
qui s'isole, est déjà quasiment 8 avec cette température élevée, 29 degrés tout à l'heure dans l'air, 10 degrés de plus que, comme le disait Jackie X, que pendant les essais. Qui a fait le bon choix? Est-ce qu'on véritablement on est parti sur des médiums qu'on a utilisés pendant les séances de qualificatif jeudi, ou est-ce qu'on a tenté les pneus durs compte tenu de la chaleur? Gilles de la Costa qui a bien regardé le ralenti de la séance de départ nous confirme effectivement que la voiture d'Alan McNish a franchi la ligne de départ devant la Peugeot de Franck Montagny. Ça veut dire qu'il s'expose à une pénalité. Il peut s'exposer, il a été obligé, il était très en avance, la Peugeot était très en retrait, McNish a été obligé de mettre le pied sur les freins, on a vu les feux s'allumer, malgré cela pas suffisamment ralenti, il franchit la ligne de départ en avance sur la Peugeot, et il me semble que ce n'est pas dans l'ordre logique des choses. C'est absolument clair, il s'expose à une pénalité pour avoir franchi la ligne en premier. Ça, c'est un passage par les stands, un drive-thru Écoutez, logiquement, ça pourrait bien être ça. Hein, déjà beaucoup de secondes. Absolument. Avec une sortie pour l'instant, on est sorti côté large, attention. Oh, allez, voilà, la police. Une Audi qui vient terminer sa course. Il me semble c'est celle de Préma. Alexandre Préma, me semble-t-il, on est sorti large du côté d'Indianapolis, dans le droit. Et effectivement, Alexandre Préma pour l'instant au tapis. Et qui se désangle. Désangler, il est en train de communiquer évidemment avec son stand. Il ne faut pas descendre, je pense, Jacques. Il faut rester dans la voiture, tout simplement, parce que s'il est dans une position dangereuse, les commissaires vont pouvoir l'extraire de cette position dangereuse. S'il arrive à redémarrer de par lui-même, Pierre-Henri, regardez, revenir dans la course. Oui, on va envoyer. Qu'est-ce qui se passe? Là, il est, à mon avis, il touche un petit peu la bordure à l'intérieur, visiblement, où il est, je dirais, fortement décalé dans le grand droit. C'est un virage extrêmement rapide. Oui, s'il est dans le chemin, le Manitou va le sortir. Il faut qu'il soit prêt à partir, rentrer au stade. Ah, attention, et réparer, hein, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Messieurs, je vous interromps quelques instants. On est avec monsieur Luca Di Montezemolo, le grand patron de la Ferrari, du groupe Fiat également. Thank you so much to be live with us on Eurosport France. Your feeling to give the start few minutes ago? Well, fantastic, because you know, for me, Le Mans is a mix of history, tradition, because we won here 60 years ago the first Le Mans with Ferrari, and fantastic the atmosphere, the public. I was very pleased to be here today. Big emotion. Alors c'était une grande émotion, un grand plaisir d'être ici en rappelant les succès de Ferrari par le passé, avec toute la ferveur qu'il y a autour. What about Ferrari official team next year maybe? Nous allons avoir. En français alors, une écurie officielle Ferrari l'an prochain? Peut-être, c'est difficile parce qu'aujourd'hui c'est pas facile de faire Formule 1 et Le Mans à la même chose. Mais nous allons avoir, nous avons Ferrari, nous avons Maserati, nous avons Alfa Romeo, peut-être. Mais pour moi, l'émotion de voir une autre fois un rouge officiel Ferrari allemand, c'est très grand, émotion. Nous allons avoir. Dernière question, et vous êtes italien, on pose toujours une question sur le football. Vous avez été grand patron du Mondiale 90. Il y a la Coupe des Confédérations, ce sera sur Eurosport. La Squadra Azzurra, elle est encore au-dessus de tout le monde. Écoute, j'espère, mais je suis très concentré en Ferrari. Mais d'autre côté, je suis italien, j'ai fait l'organisateur d'Italia 90, les championnats du monde. Je pense que nous avons une équipe très forte, jeune, et j'espère. Et j'espère aussi en Ferrari. Eh bien, merci à Luca Di Montezemolo, le grand patron de Fiat et de Ferrari. Beaucoup d'émotions ici dans la salle des trophées. Il a suivi avec beaucoup d'attention l'accident d'Alexandre Préma. Et merci à lui, vous l'avez compris, un Italien de cœur pour le foot, mais qui a, on le sent quand même, très envie de retourner ici au Mans, de revenir avec une écurie officielle. Voilà, messieurs. Merci. D'un autre côté, on a vu Alexandre Préma pratiquement s'extraire de la voiture, alors que théoriquement, il devrait attendre d'être remis sur la piste, ce qui a été fait par les commissaires. Donc peut-être aussi un problème mécanique. On l'a vu louvoyer lorsqu'il est reparti dans la direction des stands. Donc vérifier ce qui s'est peut-être passé, peut-être au niveau de la direction. On en saura un petit peu plus dans quelques instants. On vient de voir la Peugeot de tête passer à côté et prendre déjà un tour, évidemment, Alexandre Préma, le Français qui va rentrer dans la voie des stands. Vraiment un premier coup dur pour cet équipage Préma, Romain Dumas et Timo Bernhardt. Jacques.